Hello, ma prise de goût. Calamar cru ou cuit, c'est bon à tous les coups. Eh bien salut les amis, c'est Kirendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Gigawatch Blaster. Les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et il y a un truc pour lequel je désespère de dingue. Et n'hésitez pas à dire vous, d'ailleurs c'est pas n'hésitez pas, c'est je vous le demande. Dites dans les commentaires si vous avez déjà fait du Street Pass et si vous avez déjà eu Pandanoco. Et si c'est le cas, à combien de Street Pass? Parce que je vais être honnête, je vais même vous le montrer quoi, comme ça vous pourrez pas dire que je mens. J'ai toujours pas eu Pandanoco, c'est à dire que je l'ai même pas rencontré. Je sais qu'on peut le rencontrer et ne pas devenir son ami. Dans tous les cas je l'ai pas dans mon Mendalium, mais je vous le dis, je l'ai jamais rencontré. Et combien j'ai fait de rencontres au Street Pass? Vous allez rire. Tu as gagné 84 fois pour l'instant avec 84 victoires consécutives. J'ai fait 84 rencontres de Street Pass. Alors c'est tout simplement parce que j'ai une autre de mes 3DS sur laquelle j'ai fait 3 parties dans lesquelles j'ai débloqué le Street Pass et je me Street Pass de 3DS en 3DS. Mais en 84 Street Pass, j'ai rencontré Pandanoco 0 fois. Alors, faut dire que globalement, enfin, dites-vous, même si vous avez jamais eu Pandanoco, dites-moi combien de rencontres au Street Pass vous avez fait sur votre 3DS. Bon, peut-être que certains d'entre vous, si vous vivez à Paris, à Lyon, à Marseille, dans des grandes villes, peut-être que vous en avez fait autant que moi. Peut-être même plus, hein, j'en sais rien, c'est... Pourquoi pas, mais peut-être. Mais la plupart d'entre vous, vous avez fait combien de rencontres au Street Pass? Peut-être 2, 3, allez, 5, 10 maximum. Sauf si vous avez un frère ou une sœur qui a la 3DS avec le jeu. Mais si vous êtes solo chez vous avec la 3DS et le jeu, combien de rencontres Street Pass vous avez fait en prenant la 3DS avec vous chaque jour? J'imagine que vous en avez certainement pas fait plus de... pas plus de 10 maximum. C'est parce que le Street Pass c'est quelque chose de super rare. C'est rare de trouver des gens en Street Pass. Et vous vous rendez compte comment en 84 fois j'ai jamais rencontré Pandanoco. Donc vous, si vous mettez 3 mois à rencontrer 10 personnes, enfin Pandanoco vous le rencontrerez jamais quoi. Non mais c'est ouf, c'est n'importe quoi ce système. J'en sais rien, ça se trouve c'est que je suis vraiment pas chanceux de dingue. Mais je suis quand même sacrément déçu hein. Bon alors, on va aller jouer au Bingo Kai hein, bien entendu. Et ensuite on va partir en mission. Donc les amis, laissez des pouces bleus pour me souhaiter bonne chance. J'espère que je vais avoir un bon truc. C'est Tata Calin qu'il me fallait, c'est ça? Ah, il me faut Tata Calin. Je vérifie sur ma liste. Mais ouais, il me faut Tata Calin et Barakabo. Barakabo... Ah, ça a changé tout ça. Il n'y a pas Barakabo. Ok. Barakabo, je crois que j'avais aucun truc qui me permettait de l'avoir. Si, Barakabo, j'en ai que 3. Bon, essayons d'avoir Barakabo. Il me manquait aussi Octorgombre. Mais Octorgombre, en fait, je l'ai dans mon Medallium parce que Kiki l'a eu sur sa version. Et donc, il me l'a échangé. Voilà. Donc, pour avoir Slurpant ou Gargaros, Slurpant ou Gorgouille, je sais pas lequel des deux, il me manque que 2 yokai, hein, Barakabo et Tata Calin. Donc, j'aurais peut-être Barakabo aujourd'hui. Tata Calin, je pense pas. On va croiser les doigts pour l'avoir un jour, mais... Alors, Barakabo, ok, pas du premier coup, hein, ça aurait été quand même assez ouf. Oh, quand même un yokai. Morvobec, que je dois déjà avoir, un Morvobec, c'est un yokai de base, quoi. Enfin, je sais que j'ai Machu, je crois avoir eu Machu. Morvobec, je l'ai, Morvobec, on doit le rencontrer partout, non? Ouais, c'est bon. Alors, chance plus 2 d'avoir... Mais attendez, mais je suis en train de jouer la pièce Valentino, là, je suis pas en train de jouer la pièce Barakabo. Oh, je me suis trompé, c'est pas grave. Tant pis. Je jouerai demain. C'est pas très clair ces pièces. Bon, au moins j'aurai Valentino. Ouais, là c'est bon. Valentino il est sorti de la capsule. Donc je vais jouer quoi après? Bon, je jouerai la pièce verte pour essayer d'avoir Tata Calin. Valentino. Non, on lui donne pas de nom. Au moins j'ai eu 2 nouveaux yokai. Donc ces 2 essais m'auront pas servi à rien. Mais j'en ai des pièces Barakabo ou pas? Voyons voir. Non, Kyubi, Tengu... Non, j'ai pas de pièce Barakabo, c'est ça en fait. Je sais même pas si ça existe. Bon, ok. Pas grave. Alors, Barakabo, on peut l'avoir avec ça. Sinon, on peut essayer d'avoir Tata Calin. Bah, dans tous les cas, faut que j'ai les 2. Donc, allez, on va jouer... Je pense que je vais jouer plus que des pièces jaunes et des pièces vertes tous les jours. Jusqu'à ce que je tombe sur l'un de ces yokai. Hein. Il me faut l'un des 2. Ok, ok, la malchance de Kirbendo est de retour. Bon, eh bien tant pis, c'est pas grave, dans tous les cas on va partir en mission. Je vais pas augmenter le niveau de mes yokai, hein, tant qu'ils galèrent pas, c'est très bien comme ça. Ouais, choisir une mission, histoire, et on part Octorgon ou Kyubi. Allez, Kyubi, je préfère Kyubi à Octorgon, mais vous dites dans les commentaires quel est votre yokai préféré entre les deux.
Et j'ai aucun objet à déséquiper. Donc, c'est parti, en avant. Par contre, je sais pas pourquoi on doit se combattre contre ces yokai. Juste, il le faut, c'est la mission, mais je sais pas trop pourquoi. Parce qu'attendez, ils étaient pas méchants, ils étaient juste... à part Kyubi, tous les membres sont des filles, d'accord? Donc Kyubi est bien un gars, hein. C'est la célèbre équipe des Blaster Lovers. En fait, on se combat contre les Blaster Lovers. Pourquoi? Pour savoir qui est le vrai roi des Blasters, c'est ça? Je comprends pas bien, en fait. Là, il y a des missions, c'est comme les perfides. Enfin, les perfides, j'imagine que le thème de la mission, c'était simple, hein, celle qu'on a fait dans le dernier épisode. Les perfides ont attaqué, attaquent Ursival du passé, non, Grandval du passé, et il faut les attaquer. Voilà, c'est tout, faut défendre Ursival du passé. Là, pour le coup, je sais pas ce qu'ils nous veulent, les Blaster Lovers, mais bon. Oh, Madame Papilla, il faudra me battre pour voir Maître Kyubi. T'inquiète, on va te battre. Quoi qu'elle gagne quand même beaucoup de vie, là, Madame Papilla. Faut la battre plus vite parce que c'est une soigneuse. Donc elle peut être sacrément embêtante. Allez, vas-y, on va la voir. On l'enchaîne. Et de la glace, de la glace, de la glace. Elle a plus beaucoup de vie, là. C'est bon, il reste plus que Espy. Et Espy ne peut plus regagner de vie. Donc c'est tranquille. Espy, c'est quoi? Ce serait pas un tank? Je crois, hein, parce que il me semble qu'il utilisait son bouclier. Enfin, après, il n'y a peut-être pas que les tanks qui ont bouclier, mais bon. Nous serons toujours là pour défendre Maître Kyubi. Comme je crois qu'il y a des combattants qui ont soin, qui ont un pouvoir de soin. Mais qu'en ont qu'un seul, hein. Alors que les soigneurs, normalement, ils ont 3 pouvoirs de soin. Mais je crois que j'en ai vu un combattant qui avait 1 pouvoir de soin. C'est parti pour combattre. Sirénité doit être une soigneuse, non? Peut-être même pas, je crois que je confonds à chaque fois. C'est pas Octorgon qui est soigneur? Ah, je sais plus. Je sais plus. Allez, Sirénité, attendez, je vais utiliser l'âme ultime, vas-y. Ah mais attendez, mais... Ah non, c'est la Célernienne, elle est dans mon équipe. Ouais, elle est dans mon équipe. Sirénité est presque morte, là. Allez, allez, elle a plus rien, là. C'est bon. Il y a Damona. Ah, j'ai du mal à savoir. Il doit y avoir un soigneur dans leur équipe. Mais je sais pas lequel c'est. Hein. Allez, Damona est presque... Voilà, c'est bon. Il reste plus que Kyubi, je crois, hein. Qui a l'air d'avoir toutes ses vies, hein. Ah, il y a plus que Kyubi. Enfin, pas toutes ses vies, mais presque. Et... Je vais lui... grêler dessus, enfin je vais même lui envoyer un gros iceberg. Bim, 23 points de dégâts. C'est pas énorme, hein. Je vais pouvoir refaire une âme ultime ou pas? J'aimerais bien. Il nous fait beaucoup de dégâts, tu oublies. Je pense que pour la prochaine mission, je vais augmenter de niveau, hein. Parce que là, ça commence à devenir un petit peu tendu. Allez, âme ultime, c'est prêt. Bon, non, mais c'est une blague. Genre, il a réussi à éviter l'âme ultime. Heureusement, il arrive pas à nous tuer, mais... Quand même, il fait très très mal, hein. J'ai l'impression qu'il arrive à attaquer plusieurs de mes yokai à la fois. Je sais pas ce que Kyubi a comme attaque, mais Kyubi a l'air d'être un très 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 bon yokai. Hein. Salut Kyubi! La porte est apparue. Bon, on retourne au QG. Et ouais, c'est clair. Déjà, c'est Lornian, va falloir l'augmenter de niveau, mais c'est pas tout. Hein. Je pense qu'on fait pas suffisamment de dégâts aux ennemis, en fait. Enfin, c'est bien, on s'en sort bien quand même. J'étais pas à deux doigts de perdre, hein. Faut pas abuser non plus. Mais ce serait mieux, ce serait plus confortable si on arrivait à gagner, enfin avoir un petit peu plus d'attaque, un petit peu plus de vie. Après, je sais que j'ai un Rambé dans mon équipe, Champagnan, et que ce serait bien un moment de le remplacer, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, Champagnan. Puis je sais pas par qui je pourrais le remplacer. Quelle médaille j'ai? Ah, tiens, bonne question. J'ai eu des bons trucs au Bingo Kai, non? Non, je vais aller voir les rangs S que j'ai. Yokai de réserve, choisir dans la liste. Non, c'est pas ça, c'est... Ah, par rang, j'y étais. Par rang. Donc ouais, j'ai des bons yokai quand même. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils repartent niveau 1. Et comme ils repartent niveau 1, c'est relou. Et j'ai aucun ranger de... Ah si, j'ai un ranger de rang S qui a le piège zapper. Ah, je pourrais mettre Arachnia. La jauge d'attaque se charge quand attaqué. Ah, je sais pas trop. Non, j'ai aucun yokai coup de cœur, en fait. Là, j'ai des bons yokai, mais il y en a aucun pour lequel vraiment j'ai un coup de cœur. Et j'ai pas envie de prendre un yokai que j'aime pas particulièrement et de le passer niveau 40, quoi. Surtout si c'est un rang S, ça va coûter beaucoup trop cher. Donc, c'est Lornian. Tu vas essayer de passer niveau 52, on va dire. On va viser le niveau 52, là. Mais c'est cher, hein. C'est super cher. D'ailleurs, elle est rang quoi, elle? Elle est rang A, hein. Et j'ai aucun rang S dans mon équipe, hein. Ah. Bon, toi, tu vas aller rang... Enfin, niveau 52. Oh là là, qu'est-ce que ça vaut cher.
Ah lui, ça va être difficile de faire monter niveau 52. Oh là 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 là, je viens de dépenser... Enfin, je vais avoir dépensé plus des 3/4 de mes orbonies, là. J'espère qu'ils vont devenir significativement meilleurs, hein, pas un tout petit peu meilleurs. Bon, allez, coach Antonic, c'est parti pour la mission suivante. Et c'est niveau combien recommandé? Niveau 54 en plus. On est en retard sur le niveau recommandé. J'espère que le boss, c'est pas Robinette 28, hein. Pas de ce monde. J'arriverai jamais à la base si c'est le cas. Parce que je sais qu'à un moment on va se battre contre Robonian 28, mais si c'est là, ça va être la galère. Robonian 28, je m'en souviens comment j'avais galéré de dingue à l'époque. C'est trop ouf. On apparaît exactement à l'endroit où il y a une Orbonie. Ah, ça aurait été marrant si j'avais pris Arachnia, il y aurait eu Arachnia, Arachnus ensemble. Ok, on fait pas mal de dégâts, c'est cool. Je crois que c'est Arachnus surtout là qui est sacrément utile dans l'équipe. Donc là, faut tuer 10 yokai. Ok, 10 yokai ennemis. Coléoptère. Oh ouais, non mais mon attaque de glace, elle lui a rien fait. Donc c'est vraiment Arachnus là qui carry la game quoi. c'est lui tout seul qui est le seul à. Oui, Carmendo, tu parles bien là. Non, c'est lui qui fait le plus de dégâts en fait. Heureusement qu'il est là. Hein. B3NK1. Il y a un Castelius là. Ouais, bon. En plus, Arachnus c'est un rang S, je pense. C'est l'équivalent d'un légendaire. Enfin, c'est pas un légendaire, mais il est un peu l'équivalent d'un légendaire, quoi. Ok. Maintenant, il m'en reste 4. Donc, ouais, voilà. Tengubre. On va faire aussi celui qui est en bas. Il y en a qu'un qui veut devenir mon ami, là. En plus, ils peuvent, normalement. Ok, encore Tengubre. Non, en fait, c'est pas que Arachnus. Je sais pas qui dans mon équipe, mais il y a quelqu'un dans mon équipe qui fait beaucoup de dégâts. Au moins un, si ce n'est deux. Parce que là, sa barre, elle est partie suffisamment vite. Et pourtant, Arachnus, il a été tapé qu'une seule fois. Donc, non, ça va, c'est cool. Bon, en tout cas, maintenant, si je vois des Orbonies, je les récupère immédiatement. Hein. J'en ai extrêmement besoin. Allez, voilà. Il n'en reste plus qu'un à battre. Ok, Castelius 2. Wouah, encore un yokai qui se protège. Non, je vais pas utiliser mon âme ultime parce que je sais qu'il va y avoir Krapop à battre. Je suis Onigiri, Onigiri X, le commandant des bouffis. Pour arriver jusqu'au général, vous devez d'abord me battre. T'inquiète, on va te battre sans problème. What? Ah oui, il est là, Onigiri. Wouah, tous les dégâts qu'il m'a fait. Il est chaud, le mec. Mais c'est quoi, c'est un tank, le mec? Pourquoi il se protège, là? Bon, heureusement, on s'en sort pas mal, mais wow, il est chaud quand même. Pourquoi il y a eu des Orbonies là qui n'étaient pas récupérées? Ils ont tué un autre yokai en passant? Peut-être. Daruma Star. Oui, Daruma Star, c'est nul, c'est un rang B, non? Je crois que c'est ça. Oh là 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 là, par contre, je dis que c'est nul, mais alors ils font des dégâts. Genre, ils me one-shot presque. Hein. En fait, je crois que le problème maintenant, ça va être la défense. J'en ai plus énormément. Ah, il y a l'autre qui est venu nous attaquer. Eh ben, s'ils nous attaquent tous à la fois, ça le fait pas du tout. Daruma Star est presque mort, là. C'est bon, il n'y a plus de Daruma Star. Alors, je me charge, et c'est Scar... Non, quoi? Pourquoi je n'ai pas réussi à me charger? Scarasol, arrête de te protéger! Scarasol! Ok, c'est bon. Je lui envoie la glace. Oh là là, on l'enchaîne, le pauvre Scarasol. il doit regretter de plus être en train de se protéger, pour le coup. Bien joué. Vous vous êtes bien battu. Je sais, Onigirix. Le vent a tourné. Occupons-nous du général. Il doit être par là, le général, non? Ouais, il est là. J'aurais dû utiliser la multime dès le début. Allez. Je l'ai ou pas? Ouais, je les ai tous, là, non? Je crois que je les ai tous. Je sais pas si c'est une bonne idée d'attaquer Krapop en premier, parce que c'est le plus fort, mais... Ah, j'ai commencé, je vais continuer. Ah, mais il nous faut... Ok. Oh là là, les dégâts. Oh, je suis mort. Ah non, je suis pas mort. J'ai failli mourir, mais je suis pas mort. Ok, c'est bon. Ouf. Paratonne. Je vais tuer Paratonne, tant qu'à faire. C'est plus facile. Parce qu'en fait, c'est à cause du nombre que c'est chaud. Il y a un autre Paratonne. Voilà. Quand il n'y en a plus qu'un, même si c'est Krapop, ça va. Je dirais pas que c'est ultra facile, mais ça l'est beaucoup plus. Qui aurait cru que ce serait si dur? Mais je ne peux pas perdre, Celornian est morte. Celornian, faut la ramener immédiatement. C'est Celornian le pilier de l'équipe, quoi.
Elle est plus là, on se... Enfin, on meurt tous, quoi. Les crapopes, attaque-moi! N'attaque pas, c'est l'ornienne est en train de se soigner. Vas-y, yeah, ultime. Yes! Quoi? Il a réussi à s'enfuir? Comment il a fait? Comment il a fait pour s'enfuir? Oh là là, Diamanian est mort! C'est pas le seul à être mort d'ailleurs. Ok, l'objectif est fini. Oh, il y a eu pas mal de morts là durant cette mission. Hein. J'ai perdu, mais je ne fléchirai pas! Ben, tu devrais pourtant. Un beignet, ça doit être au chocolat! Ah, j'avoue que. Aragnus, il veut qu'il soit à quoi? Tu dis vague! Un beignet, c'est à la confiture? Ah non! Ah non! Oh les amis, il va être le moment de prendre un camp. Donc je compte sur vous pour faire le bon choix. Vous préférez les beignets au chocolat, donc Nutella, hein, c'est presque la même chose, ou les beignets à la confiture. Dites dans les commentaires et ne faites pas le mauvais choix. Hein. Moi, je vais vous le dire, enfin, hein, je vous l'ai déjà dit, au chocolat quand même. À la confiture, c'est pas mauvais, hein, bien entendu, hein, s'il y a que ça, j'en mange. Hein. Mais au chocolat, c'est quand même meilleur. Hein. Mais à la confiture de pommes, ça peut aller. Après, non. Mais un beignet, genre au chocolat avec du sucre autour, genre autour de la pâte et tout, enfin, ah là là, ça c'est bon. Une bonne pâte à beignet, bien frite avec. Non, il y avait les harmonies, mince! J'ai perdu mon stick, il est tombé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je le récupérerai après la vidéo. On va avoir le temps de faire le boss et si c'est Roboyan 28, je vous le dis, on le fait pas. Si c'est Roboyan 28, on ne le fait pas maintenant parce que je pourrais pas. Quoi qu'on peut tenter, c'est vrai, on a du temps, on peut tenter. Puis je peux me faire gagner aussi des orbonies. Oh, what? Premier prix, Volatrice! Je l'avais pas, Volatrice, c'est? Ben non! Oh, c'est cool! Volatrice ne débloquerait pas un truc des légendaires? Ah, c'était le cas dans les anciens Yuka Watch. Ah, c'est plus le cas! Dans le 1, c'était le cas. Et dans le 2, peut-être encore. Je sais plus. On est de retour! C'est magnifique de voir tout le monde travailler si dur! Oh oh! Les gars, on a un problème! Que se passe-t-il, tic-tac? On dirait que Roboyan 28 est en train de tout détruire dans le futur! Ah, c'est un sacré problème. Quoi? Roboyan 28? Pourquoi ferait-il ça? On dirait qu'il s'est un peu trop impliqué dans le combat contre Crème Chantiwisp! C'est comme si quelque chose avait mal tourné! Ah, il a déglingué quoi? Un tremplin d'enthousiasme, c'est une drôle de raison! En plus, on dirait qu'il n'est pas le seul à être d'humeur destructrice! Tous les yokai de type robot sont devenus fous! On dirait une sorte de révolte générale! C'est horrible! C'est horriblement tourneboulant! Eh bien, on devrait aller dans le futur et voir ce qui se crame! Ok, alors. Bon, là par contre j'ai peur. Là j'ai carrément peur. Aller dans le futur pour battre Roboyan 28, je me souviens que j'avais galéré, hein, ça avait été un truc de dingue. Ah là 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 là. Voyons voir, il n'y a pas... Ça je peux pas les renforcer, j'ai pas encore les objets. Ah, j'ai les objets qu'il faut. Lui je peux. Lui je peux pas, malheureusement il me manque le Crojibanyan, c'est dommage. Donc ben, et ça je peux. Ah non, il manque des Crojibanyan, c'est dommage. Mais ça, je peux au moins. Comme ça rend de l'esprit. C'est quand même sacrément utile pour Celernian. Celernian, elle a besoin d'esprit. À tout prix, quoi. Il change de forme ou pas? Il est pareil, non? Ouais, il a peut-être changé un tout petit peu de couleur, quoi. Ah, on peut plus l'améliorer? Ah, c'est dommage. Il peut aller qu'au niveau 2. Ouais, parce que ça les change de couleur. Ouais, ok, d'accord, ça les rend genre un petit peu plus badass. Eh, mais c'est parce qu'ils sont déjà rang 2, c'est pour ça, en fait. Les grelots du chat, faudra que je le renforce aussi, c'est bien comme objet. Bon. Bah, on va quand même augmenter le niveau de nos yokai. Qui je vais augmenter? Niveau recommandé, ça doit être 55, non? Ouais. J'ai assez pour la passer niveau 54. Ouais, allez. Bon, bah c'est le max que je puisse faire. De toute façon, là, si on n'arrive pas à battre Roboyan malgré tout, bah il y aura rien à faire. Enfin, ça voudra dire juste que je pourrais pas le battre dans cette vidéo, quoi. Faudra que je gagne des orbonies et que j'augmente mes yokai. Hein. Mais on va essayer. On va essayer. Comme je dis, on sait jamais. Par contre, ce que je veux voir, c'est... Ça fait quoi, la poupée de fuite? Comment ça, j'ai pas de poupée de fuite? J'avais récupéré une poupée de fuite. On la garde pas en sortant du combat? Peut-être pas. Alors, copie tes mouvements et s'évanouit, c'est une poupée de fuite améliorée. Réanime avec 10% des PV quand tu t'évanouis et réanime avec 20% des PV quand tu t'évanouis. Ça peut être bien, non? On va essayer, on va prendre la peluche de fuite.
Mais ouais, c'est bizarre que j'ai pas gardé la poupée de fuite. Parce qu'elle devrait faire la même chose en moins fort, quoi. Apparemment, non. Oui, si. Mais non, t'inquiète, coach Anthony, qu'on va y aller. Dans tous les cas, les amis, laissez plein de pouces bleus, je compte sur vous. Parce que Robonian 28, c'est le combat. Au niveau 60 recommandé, c'est vraiment un combat ultra difficile. Oh. Et je vous vois venir dans les commentaires pour me dire « Kirbendo, tu peux m'aider? Comment on fait pour battre Robonian 28 ?» Parce que dans toutes les séries, vous faites ça, genre dans Yokawash 1 et Yokawash 2. Comment on fait pour battre Lady Perpetua? T'as des astuces et tout. Et Yokawash, c'est le genre de jeu où en fait, il n'y a pas vraiment d'astuces. C'est-à-dire que bah, si vous n'arrivez pas à battre Robonian 28, la seule chose que je peux vous dire, c'est... Faites des missions avant, augmentez le niveau de vos yokai. C'est pareil pour battre McCracken, c'est pareil pour battre Lady Perpetua. Il faut augmenter le niveau de vos yokai. Si vous n'arrivez pas à les battre, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est que vos yokai sont trop mauvais. Donc c'est pas à vous de vous remettre en question, c'est juste que vous devez augmenter le niveau de vos yokai. À moins que vos yokai soient tous niveau 99 et que là vous n'arrivez pas à battre Lady Perpetua. Là pour le coup c'est peut-être vous qui êtes mauvais. Mais bon, c'est quand même rare, hein. C'est quand même rare d'en arriver là. Ce qui n'est par contre pas le cas pour des yokai comme par exemple Philomène. Philomène, vous pouvez être niveau 99 et jamais réussir à la battre. Là, c'est pas le problème, c'est pas que vos yokai sont trop mauvais, c'est que le boss est trop fort de toute façon. Même moi, je l'ai battu une fois, je réessayerai plus jamais, c'est déjà trop difficile. Et là, par exemple, je crois que je vais pas y arriver. Champagnan est presque mort. Il y a un Oronian. Oh là 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 là, les dégâts qu'on se prend. Heureusement qu'on a... On devrait peut-être y aller avec deux soigneurs, non? Mais avec deux soigneurs... Non, deux soigneurs, ce serait... Non, on ferait trop peu de dégâts, en fait. Enfin, quoi qu'on pourrait, mais le combat, il durerait 3 heures, quoi. Oronian 28, il me gave, là? Qu'est-ce que... Il n'y a rien à ramasser? Ils ont tout ramassé, d'accord. Bah, il est où? Oh, ok, je tapais à côté. Non. Oronian, il fait mal. Bah, c'est un bon tank en même temps, Oronian. Faut surtout laisser personne mourir... Avant que le boss arrive. Allez. Par contre, c'est bien pour gagner des orbonies, hein. On fait le plein, là. C'est cool. Et ça va s'arrêter quand, là, tous les robots de venir? Il y en a à l'infini ou quoi? Je crois que c'est super long, je me souviens. Allez. Robot Dracou. Mais je veux les robots, ils sont trop mignons. Comment on fait pour les avoir? Ça doit être avec une pièce du Bingo Kai, mais je sais pas laquelle. Oh là là, il y a encore un Oronian. Mais... Je crois que c'est le pire, Oronian. Je crois que c'est celui que j'aime le moins, là. En même temps, c'est un peu un mini-boss, quoi, Oronian. Allez. Tant qu'il n'utilise pas son bouclier, ça va. On peut lui faire sacrément mal, mais voilà. Dès qu'il utilise le bouclier, tu lui fais plus que 10 points de dégâts. Oh là là, c'est bon. Nous avons enfin éliminé tous les robots destructeurs, sauf le plus gros. Mais où est Robonian 28? Hein? Vous n'entendez pas quelque chose? Faites attention au portail ouvert. Faites attention au portail ouvert. Robonian 28, c'est Paris, Yahoo! Départ, Iminiaou, non mais le mec, c'est Robonian 28 et il fait genre il est mignon quoi. Champagnan va... Ok, Célernian est déjà morte. Oh. Ok. Les attaques qu'il fait... Oh. Attendez, il faut que j'utilise la multime. Non! Oh! On se fait démonter, j'ai pas le temps d'éviter ses attaques. C'est une catastrophe. Déjà, faut que je verrouille la caméra. Comme ça, on saura où il est. Mais fais-moi venir, qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord, ok. Non, elle a bien fait. Vas-y, fais-moi venir. Qu'est-ce qu'il fait, ouais. Oh là 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 là. On lui a fait zéro dégâts, je crois. On lui a rien fait du tout. Il faut pas être prêt quand il utilise son truc de... Mais il est trop loin, là, pour que... Ah, elle me redonnait des vies. Je me suis sauvé au moment où elle me redonnait des vies, quoi. Super. Il faut l'attaquer par derrière, en fait. L'une des astuces, c'est déjà de l'attaquer par derrière. Si on attaque par devant, c'est mort. Ouais, mais des fois, il fait son attaque qui est quasiment impossible à éviter. Alors ça... Ok, il a eu personne, tant mieux. Mais attendez, mais... En fait, le problème, c'est qu'il faut vraiment être super prêt pour lui faire des dégâts. Hein. Sinon, tu lui fais rien du tout.
Oh là là, ok, il a failli... Enfin, il m'a eu un petit peu, mais j'ai réussi à m'enfuir. Tant mieux. Voilà, j'arrive à l'avoir quand même. Très bien. Bon, ça va. Le début du combat a été sacrément laborieux. Maintenant, ça se passe un petit peu mieux. Je dis pas qu'on a gagné. Pas du tout. Mais on s'en sort un petit peu mieux. Ok. Mais maintenant, je le connais, en fait. C'est vrai que je connais un petit peu plus ses attaques. Je m'en souviens. C'est revenu assez vite. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas perdre notre soigneur. Ok, Champagnan est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, 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 faut se sauver! Mais je pouvais pas me sauver, je pouvais pas appuyer sur le bouton B! À cause du fait que ça ramène à la vie! Allez. Ok, alors ça, il fait un truc horrible. Oh là là, Cyanian Salote est presque mort. Cyanian Salote aurait dû me ramener à la vie au lieu d'essayer d'attaquer là. Oh là là, Champagnan est mort immédiatement après être revenu à la vie. S'est fait envoûter là. C'est Cyanian Salote. Ah non, je dois activer tous les boutons, mais on est tous morts. Comment voulez-vous qu'on active tous les boutons? C'est impossible. Ok, c'est mort. C'est mort. Oh, mais tu peux pas éviter les attaques, c'est pas possible, t'as pas le temps quoi. Qu'est-ce qu'il fait que son rayon destructeur, c'est quoi déjà? Bon, ramenez-moi là. Vas-y, c'est gentil. Qu'est-ce qu'elle fait, Cylornian? L'ennemi trame quelque chose. On sait, heureusement il ne m'attaque pas moi. Ok. Ça va, il m'attaque pas, tant mieux. Il m'attaque. Ah, ça va, cette attaque là elle est pas si puissante que ça. Oh non, 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 non. Ok. L'important c'est vraiment d'éviter cette attaque. Faut à tout prix, je vous le répète. Je vous donne quand même quelques petites astuces qui me reviennent petit à petit, mais il vaut mieux le taper peu et éviter ses attaques. N'est-ce pas un peu dangereux? Oui, si, si, c'est un peu dangereux. Allez, la glace. Plus, je charge même pas mon âme ultime pendant ce temps parce que j'essaye plus de l'éviter que d'attaquer. En plus, j'ai fait 84 points de dégâts à la fois, quoi. C'est nul. Là, faut faire attention. S'il nous fonce dessus, ça peut faire très mal. Vas-y. Je sais pas qui lui fait 100 points de dégâts, mais il y en a un qui s'en sort vraiment pas mal. Il lui fait mal. Oh là là, c'était pas Diamanian. Oui, oui. Ok, âme ultime. Très bien. Oh, pour une fois que je me prends pas le rayon destructeur, là. Champagnan y est passé, c'était sûr. Non, 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 non. Oh là là, il y en a un qui m'a explosé. Ok. Parfait. J'ai peut-être y arriver, hein. C'est pas mort. C'est juste que ça va prendre du temps. Mais c'est pas mort. Oh là là! Ça, faut regarder la caméra, en fait, faut surveiller la caméra. Ok, pourquoi Cylornian ne me soigne pas là? Tu trouves pas ça utile, Cylornian? Ah, c'est bon. Okay, là, il nous fonce dessus, il fonce à côté, c'est bon. Ok, parfait. Ah, là, il faut activer tous les boutons. Mais ça, le problème, c'est que les ordis sont pas très malins en fait. Genre, moi, je peux pas activer les 4 boutons moi-même. Faut que les ordis m'aident et les ordis, bah ils le font pas. Non, si les ordis le font pas, c'est impossible. Bah non, c'est pas possible, on n'a pas le temps. En me dépêchant, j'arrive à en faire 3, mais je vais pas faire les 4. Peut-être que. Allez, 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 allez. Oui, c'est bon. J'ai failli mourir en plus, mais j'y suis arrivé. Oh, c'est bon, maintenant il est à terre. Ah, il y a l'orbe G, viens là, oui. Ok, j'ai mon âme ultime et on peut lui faire mal. Oh, ça, bah, pourquoi j'ai pas fait l'âme ultime? D'accord, ok, super, vas-y. Je l'ai, hein. Oh non, il a sauté juste au moment. Bon, heureusement que j'ai l'orbe G. On va peut-être arriver à ce qu'il lui reste plus que la moitié de ses vies. Oh là là, c'est chaud de détecter où est l'endroit où on peut l'attaquer. Il fait quoi là, il est où? Ok, il est de l'autre côté. J'ai plus le truc G, mince. Oh, il invoque des ennemis. Si, si, ça, je m'en souviens, c'est terrible. Je sais quand il invoque... Non, 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 non. Eux aussi, ils font beaucoup de dégâts, en fait. C'est ça qui est terrible. Ils font vraiment mal. C'est pas des petits robonianes, quoi. Enfin, si, ce sont des petits robonianes, mais... C'est pas n'importe quel genre de petits robonianes, quoi. Allez. Oh, là, si j'y arrive, je... Non, 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 non. Ouf. Je me suis jeté sur son attaque, en plus. Non, non, non. Oh là là. Déjà, je tue le Robonian et après, je le ramène à la vie. Non, pas tout de suite. Il nous fonce dessus. Ok.
Super, parfait. Bon. Il a bientôt perdu la moitié de ses vies, hein. Mais toujours pas, vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Allez. Non. Là, je crois qu'il a perdu la moitié. C'est pas que j'oublie que j'ai d'autres âmes ultimes aussi, mais les autres âmes ultimes, je pourrais les utiliser que durant le coup de chance, si j'ai un autre coup de chance. Ok. Non, j'avais vu en plus où il arrivait, hein. Ok, allez, reviens. Ouais, c'était indispensable d'éviter. Célernian est morte. À chaque fois que Célernian meurt, c'est la cata. C'est bon, il nous attaque pas. Non, là il nous attaque. C'est pas croyable. Non, mais me ramenez pas moi, ramenez Célernian. Oh là. Champagnan, y a plus que Champagnan en vie. Oh non. Là, tout arrive au mauvais moment. Ok, pourquoi il y a un vieux là? Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Oh là, je suis mort aussi. Mais Célernian est remorte, bah là je crois que c'est fini, hein. Là, je crois que c'est fini, c'est impossible de battre. Non, c'est impossible à mon niveau. Impossible. Même en étant niveau 50, je pense que... Même en étant niveau 50, en fait, c'est niveau 50, mais avec que des rangs S. Je le ferais peut-être en multi, tiens, ce boss. Ouais, j'irai voir si je le ferais pas en online. Ouais, tiens. Peut-être avec des inconnus, mais j'irai voir. Bon. Dans tous les cas, les amis, bah c'est pareil que dans la version japonaise, quoi. Je me combats une fois contre Robonian 28 et j'arrive pas à le battre. Mais dans le prochain épisode, j'y arriverai. Donc les amis, eh bien, si cette vidéo de Yokawatch Blaster vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !